Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une émission qui cartonnait tous les étés, Fort Boyard. Le jeu était animé par Olivier Mine qui s'est beaucoup investi dans ce rôle. Il y avait Passepartout. Il y avait la boule. On a les plus forts, on est savoyards, on aime le bon fort, on aime les voyards. Boyard. Les épreuves physiques se déroulaient dans les cellules où il fallait trouver les fameuses clés. Prends la clé. Non, elle est là, la clé. Devant, devant toi. Non. Devant toi. Ça, oh, le plafond, oh. Le plafond. Attendez. La clé, là. Tout ça dans un temps limité. Allez, allez, allez. Il y a du temps. Il n'y a plus de temps. Sors, la porte. Tu vois la porte. Ah oui, bon. Vite. Suis plutôt Passepartout à la vigie, vous serez plus utile là-bas. Ça va? Il y avait aussi les fameuses énigmes en rime du père Fouras. Ah, me voilà. Oh, dépêchez-vous, on a assez perdu de temps. Oh, allez, là, concentrez-vous, écoutez bien l'énigme. Qu'est-ce qui se passe? Celui de ma voix est éraillé. J'ai des dents, mais je ne mords pas. Et on me lèche le... Bon, vous êtes concentré ou pas? Oui, mais bon, c'est ça. Dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de temps. Réfléchissez. Mais oui, mais bon, il est là. Ah, hélas, c'est la fin. C'était le timbre. Rejoignez vos petits camarades, vous serez beaucoup plus utiles là-bas. Jusqu'à là. Dans ce jeu, ça courait dans tous les sens. Tout le monde hurlait. Mais curieusement, à l'épreuve des cylindres, tout le monde se calmait, plus de problèmes de temps. Il y a du temps là. Je sens que ça vient là. Oh, ça y est. Bah, c'était ça, Fort Boyard. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh!